Là, je suis un peu contente parce que vous savez pas, mais j'aime quand même beaucoup la motocross. En particulier. Et c'est en fin de semaine que va se tenir le Supercross au Stade olympique de Montréal. Et j'ai avec moi une référence, un pilote de motocross, Ben Milo. Tu vas assurer la portion freestyle de l'événement. Salut! Allô! Ça va? Tu veux-tu un pinpoint, si tu l'as, là? Non. Pinpoint Montréal, Berry, Sainte-Catherine, Archambault. Ton show, c'est quoi? C'est... Tu info, actualité. C'est un show d'affaires publiques que je fais. Je viens de parler à un gars sur l'aide médicale à Montréal. Fait que ça peut aller dans plein de sens. On parle du Supercross de Montréal. Je suis comme la Denis la vague des pauvres. La Denis. Je l'aime, elle. Ça va, c'est bien relax. On vient de finir l'entrevue à Cube Radio. Ça va au Stade olympique. All right, la fameuse entrée de la porte marathon quand on descend de la rue Sherbrooke. Regarde-moi ça. C'est-tu pas beau? Souvent, les gens me demandent, Ben, c'est quoi le secret de ton succès? Vous en parlez pas, ça reste entre nous autres, là. Je vais vous le dire. Un petit paquet de peanuts comme ça, Crispy Kernels. Tu sais, quand on a faim, on n'est pas toujours nous-mêmes, mais pas n'importe quel, des barbecues. Ça, là, avec un petit rockstar, c'est pas piqué des verres. Bon, mais that's it pour nous autres. On crisse le camp.